Yo mes petits rushers, c'est GX la vache rouge pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire du drama et vous apprendre comment en faire aussi. Alors c'est tout court, en fait ce qu'il faut faire, c'est tout simplement... Ah, allez le drama. 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 A happy little mouth. Et qu'est-ce qu'il raconte lui? Hein? Ah. Bon. Je fais cette vidéo surtout parce qu'en fait j'ai vu le tweet de Léo Melki et ça m'a bien fait rire et j'avais surtout envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de tester un nouveau type de vidéo aussi. Donc voilà, si vous appréciez ce type de vidéo, un peu plus travaillé que d'habitude, avec un peu plus de recherche et voilà, enfin un petit des trucs drôles je trouve, enfin après chacun son avis, bah laissez un petit like et ça, comme ça vous me dites si vous aimez ce type de vidéo et si je continue, alors si je reprends mon ancien format. Alors sinon, pour revenir aux questions du drama, alors non, c'est pas réellement un drama, je vais pas sortir des dossiers, ah ils arnaquent, ah ils veulent de l'argent, ah je m'en fous et j'ai aucune preuve et j'ai rien du tout, et je dis rien du tout d'ailleurs, hein, j'ai pas dit qu'ils arnaquaient ou autre. C'est juste quelques petits points que j'aimerais aborder. Je critique pas le PX mode, bon, je pense que vous le savez, je suis le développeur du Daira mode, donc c'est normal que j'aime bien ce que j'ai fait quand même, c'est quand même bête que j'aime pas le Daira mode, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui crient au plagiat déjà PX mode, alors c'est totalement faux. On n'a pas plagié le PX mode tout simplement parce que sur certains points en fait j'aimerais dire qu'on n'a pas plagié. Donc certains disent système de team c'est plagié, alors non. Système de team pour ceux qui s'y connaissent, bon bien sûr c'était pas pareil hein. Sur Light mode j'avais déjà un système de team et j'avais déjà prévu tout ça en fait. Et d'ailleurs avant que le PX sorte son trailer et qu'il explique tout, j'avais déjà parlé à le Melki et je lui avais déjà expliqué même avant que lui fasse son truc, j'avais déjà l'idée de faire des teams et tout ça. Donc à la limite c'est même peut-être moi, je sais même pas ce qui s'est passé, mais ça se trouve c'est moi qui ai donné l'idée des teams. Bon j'en doute fort, mais ça se trouve c'est ça. Parce que du coup il avait pas encore release, donc tout est possible. Donc voilà. Donc là c'est une théorie. Et aussi du coup donc là il y a des gens qui crient au plagiat à cause de ça. Aussi un autre truc, c'est des gens qui crient au plagiat au niveau du design. Alors au niveau du design, je suis désolé mais mon design ressemble plus à celui de Discord que celui de du PX mode. Alors oui, d'accord, oui, je me suis inspiré vachement de Discord parce que j'aime bien Discord, c'est un bon truc. Et je pense que c'était une bonne idée de faire le truc des salons, des grades. Donc voilà. Pour les gens qui disent que le PX mode est mieux niveau team, faudrait me dire pourquoi. Parce que pour l'instant, à part du coup, ils ont dû sortir le truc des MDT, mais nous, c'est pas encore. D'ailleurs, je vais parler des MDT juste après. Pour moi, le Daira mode il est beaucoup plus complet niveau fonctionnalité pour l'instant. À part parce que nous, du coup, on n'a pas un chat vocal, mais on a beaucoup plus. Enfin, c'est comme des compromis. Par exemple, on n'aura pas un chat vocal, mais on a ça. Et par exemple, PX mode, ils ont pas ça, mais ils ont un chat vocal. Enfin, il y a des. Après, faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment un chat vocal, bah, prenez le PX mode. Hein, je peux pas vous empêcher. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu mieux, enfin, sans forcément. Après, je dis pas que c'est de la merde, PX mode. Même si dans mes pensées, je pense vraiment. Mais sinon. C'est pas de la merde, franchement. On va pas se le cacher. Donc voilà. Sinon, parlant du coup du truc des MDT, j'avais l'idée depuis super longtemps, depuis le début du high mode, avant même les teams. Avant les teams, j'avais déjà l'idée de faire des MDT comme ça. Donc venez pas me casser les couilles avec ça, voilà. Sinon, au niveau des succès, j'ai entendu dire qu'il y aurait quelque chose sur PX mode avec des succès. Et aussi, du coup, comme je vous ai montré avec le tweet de Léo Melki, avec les. On appelle ça avec les messages de kill. Alors bon, un chat, un macro chat, ok, c'est pas révolutionnaire, c'est pas moi qui ai inventé, mais c'est quand même pour moi. Je connais pas l'autre mode qui a eu un macro chat dans la commu rush. Genre, je connaissais aucun autre mode de groupe de mode, genre light mode, de shadow mode. Je connaissais aucun qui avait un macro chat donc dans la commu rush. Et du coup, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa. Et j'ai ajouté un truc, c'est qu'en gros, le message il s'envoie au kill. Alors je sais que Miolo Melki va pas forcément faire ça, parce que du coup je fais cette vidéo avant qu'il sorte du coup le message de kill. S'il le sort d'ailleurs, parce que je sais même pas du coup s'il va le sortir. Mais moi je sais déjà que moi dans les prochaines versions de Daira Mode, il y aura pas que le message de kill avec... comment on peut appeler ça,
juste un message de kill, il y aura un message aussi de mort, il y aura un message de GG, GL, enfin, il y aura plein de trucs, des macro chats de partout. Mais ce sera pas des trucs cancer forcément, je vais essayer de limiter ça au plus de possible aussi. Et enfin voilà, j'ai fait avec ce que je peux. Mais il faudra pas me casser les couilles après à me dire ouais. Enfin voilà, Léomel, si t'écoutes cette vidéo, ne fais pas le macro chat. Juste laisse ça pour moi, ok? Fais ce que tu veux, mais laisse-moi le macro chat, putain. Je l'ai fait, je l'ai ramené dans la commu. Hein, c'est bon, ok? On a compris. Voilà. Sur ce, c'était une très bonne vidéo. Hein, moi, je trouve qu'elle était pas mal. Et je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous à ma chaîne, à mon Twitter et au compte de Donald Trump. Allez, bye! Ah!